Bienvenue sur le circuit de Lédenon, où je vous emmène pour un tour embarqué à bord de ma Caterham 420R. Donc ici, très important de bien anticiper le dernier virage puisqu'il conditionne la longue ligne droite du circuit et surtout qui est en montée. Donc la sortie est primordiale pour arriver avec une très bonne vitesse de pointe. Voilà, on voit qu'on va passer tous les rapports pour arriver en fond de cinquième pour l'entrée du célèbre triple gauche. Donc ça, c'est un seul et même virage mais qui se négocie en trois fois. Voilà, où on va tomber un rapport pour le deuxième et tomber en troisième pour le dernier du triple gauche. Réaccel très importante aussi, on voit toujours un petit peu de dérive pour arriver vers un virage où la corde est en aveugle, qui est le virage du pont, qui va se négocier en deuxième. Attention avec la bosse à l'intérieur. Ensuite on se relance troisième, quatrième pour le freinage de la Carreras, qui est une épingle en dévers à gauche, comme on peut le voir, avec une sortie assez ouverte qui va conditionner une deuxième grande ligne droite en descente. Et oui, le circuit de Lédenon est vallonné, avec une descente aveugle qui va arriver sur une courbe rapide, virage célèbre du camion, qui va se passer en quatrième, pour enchaîner tout de suite sur le virage du Cavalet en deuxième, qui est cette fois-ci en compression et en montée. Voilà. Ensuite, nous arrivons sur le gauche avant la servie, qui est un virage complètement aveugle, très difficile à négocier, où il y a beaucoup d'erreurs, on l'a vu ce matin en qualification, pour ensuite tomber sur le virage de la servie ou anciennement fer à cheval, qui se négocie en deuxième. On arrive pour la descente où on va enchaîner les rapports jusqu'en cinquième pour un freinage en deux fois avec un droite-gauche qui va conditionner l'accélération finale pour la montée de la ligne droite des stands. On voit que c'est très important, on voit ici effectivement que l'aspiration peut jouer son rôle et c'est le meilleur endroit en fait sur le circuit pour tenter un dépassement. Voilà, j'espère que ça vous a plu.